Salut à tous les amis, ici Fant Accélérateur, plus connu sous le nom de Fanta. Je suis sur Dirt Rally, le dernier opus de Codemaster référent en simulation de rally sur PC. En tout cas, je sais pas ce qu'il en est sur console, mais en tout cas chez nous, ça marche bien. Et on se retrouve avec un bon petit jeu qui a l'air bien réactif. J'ai réinitialisé mes skills, enfin mes compétences, mes échecs en fait. J'ai réinitialisé mon profil, histoire que on évite le drame et vous montrer un petit peu ce que j'ai découvert avec ce jeu. Alors en sachant que je suis nul à chier, mais vous allez avoir du gameplay, vous allez avoir en bonne qualité, vous verrez un petit peu les sensations de conduite en ma compagnie. Donc on a pas mal d'années qui sont disponibles là, en allant des années 60 avec la Cooper, la Lancia. Voilà, la Mini. On a des années 70 avec des caisses... Putain, coiffées ! Ah non, coiffe. Ah oh, putain, j'ai cru que c'était la référence à la boisson dans Eve Online. Mais non, ils sont pas du tout là-dedans, eux. Et on a quand même des belles bagnoles qui vont jusqu'au Rally Supercar. La même Mini dans les années 2015. Ça déchire. Ça déchire. Voilà, donc on a de la belle caisse. On a des sous qu'il va falloir gagner à travers les championnats, et ça c'est mal barré pour moi si je continue à jouer comme ça. Alors, j'ai plusieurs possibilités, les amis. Soit je mets 115 chevaux, ah ouais, mais elle est plus lourde, 800 kg, donc à la limite ça se tient. Donc allez, on met 37 000 crédits dans une petite Mini bien décorée, couleur classique bien rouge. Et on va se barrer dans un championnat qu'on va échouer lamentablement. Mais ce qui compte, c'est avoir les sensations de conduite. Et ça, vous les aurez. Ça, c'est garanti. Et j'y vais. Donc, c'est la Grèce. C'est la Grèce. Ça va glisser. Il va y avoir du gravier. Il va y avoir des petits graviers, des gros graviers. Et ça va être plutôt cool. Par contre, je vais faire gaffe. Hein. Je vais conduire en mode papy. C'est moi qui vous le dis. T974 aux commandes. Il est là. Et on va démarrer l'étape parce que réglage de véhicule, sérieusement, même si c'est disponible, je vois pas ce que moi je vais pouvoir faire avec mes faibles connaissances. Les infos sur l'épreuve. Ok, ouais, ça on les connaissait déjà et on va démarrer l'étape. Alors attention, attention, absence de skill spotted. Et aussi, je vais vous dire un truc, je suis un petit peu dégoûté. C'est qu'à chaque fois, c'est pas la même course. J'essaye désespérément de réussir la course en rechargeant mes skills, enfin mes statistiques, mais sur non, pas du tout. C'est pas la même course. Voilà, donc voilà, vous êtes au courant. C'est une course aléatoire, on dirait. Hein. Sur gauche, 6 crêtes. Et ça, c'est assez impressionnant d'ailleurs, ça augmente un petit et peu la durée de vie. Sur crête, ok, d'accord. Droite 4 sans couper. Si vous êtes sage, je vous mets du cockpit dans pas longtemps parce qu'il est sympa. Gauche 1, longue crête. Allez, vu que vous êtes très sage, je le fais tout de suite. Ok, donc on va essayer de pas se foutre dans le fossé, ça peut être pas mal. Sensations de glisse sont plutôt pas mal. Dès que je lâche l'accélérateur sur le gravier, ça se sent. Alors moi j'ai pas de volant, hein. Je joue à la manette. Sur gauche 6, continue 80 petites crêtes. Ok, ça se passe bien pour le moment. Sur droite 6 long. Sur gauche 6 long, sur gauche. C'est un peu rapide ça, ouais, ouais. Pour l'instant ça reste dans des flèches vertes, ça va, je comprends ce qu'elle me dit. 35 semi-long. Et gauche 4,60. Oulala. Serré à droite sur crête. Alors 4 gauche ou 5, ça doit être. Oulala là 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 là. Ça tournait sur bien. Droite 6. Ok. Serré à gauche sur crête. J'aime mieux comme ça, moi perso. Je sais pas vous. Sur droite 6, sur crête, possible saut 80. Gauche 6. Mais je suis pas meilleur en fait. Sur droite 5, ferme sur 2. Parce qu'en fait, du coup, je suis moins prudent. Oh, je suis sur pas en cockpit, 5, en cockpit je suis plus prudent. Attention, j'ai 11 secondes de retard, c'est pas cool hein, oulala. Continue sur crête, possible saut 80. C'est affreux ça, putain, 11 secondes. Droite 5 sur crête, possible saut sans couper, 60 et 3. Gauche 5, semi-long, 60. Je suis deg. Droite 5, semi-long, ferme sur 3, long sans couper, 80. Alors droite semi-long, j'ai oublié tu vois, le mec, accident. Hop, 11 secondes quoi, waouh. Gauche 6. Ah là là, je me suis arrêté prendre une baguette. Hein. Et droite 5, gauche 6. Crête droite 6 et crête et droite 6. Sur attention, gauche 5, long sans couper, milieu sur crête et 3. Je trouve que c'est assez exigeant qu'à chaque fois la course elle change. Du coup, parce que. Droite 6, semi-long. Gauche 6, 80, serré à gauche après jonction.
droite 6, semi-long. Allez les gens. Gauche 5, semi-long, sans couper, 250. Un petit coup de d'essuie-glace là, au passage. Milieu sur petite crête après jonction 100. Milieu sur petite crête après jonction 100. Attention, ralentissement, grosse bosse, droite 4. Ok, donc on va ralentir un peu, grosse bosse, droite 4. Ok, d'accord. 25 secondes de retard, mais tu te fous de ma gueule. Mais là, l'ancien, elle va à quelle vitesse, quoi? Attention, droite 5 long. Bon, après, je joue en automatique, hein, il faut savoir. Hein, et forcément... Et gauche 3 sans couper dans descente. Peut-être je suis pas optimisé. Et droite 5 enfin, peut-être, c'est garanti. Mais si en plus de gauche, tourner, de pas me planter, de freiner, machin et tout, il faut que je passe les vitesses, alors moi, c'est bon. Droite 6, il y a plus personne. Et droite 5 long. Je roule en seconde jusqu'à la fin. En tout cas, graphiquement. Et gauche 2, semi-long, sans couper, 60. Je veux pas dire, mais ça dépote. La sensation de glisser, elle est là, même si pour l'instant la vitesse n'était pas là. Hein, c'est quand même gauche une petite, petite caisse. Sur droite 5 long. Ouais, c'est vrai que le frame rate, là sur je suis à 60 FPS d'ailleurs. Sur droite 5, je suis plutôt content de ça. Droite 6, je vais vous le mettre 60. En 60 vous aussi. Gauche 6. Bien sûr, la compression d'image YouTube fera que vous n'aurez pas la définition d'image que j'ai. Hein. Ça, il faut pas rêver. Sur attention droite 4 sans couper, serré à gauche sur crête. 130. Gauche 2 ferme sur 1 sans couper, 80. Oula, gauche 2 ferme. Hop, alors ferme, c'est un petit coup de frein à main pour moi. Voilà, on s'est compris. Je suis plutôt content, il n'y a pas eu d'accident majeur. Les accidents coûtent très cher, les réparations. De crevaison, c'est droite plus d'une minute trente de retrait. Gauche, ouh là 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 là. Voilà, ça y est, ça va, je me suis remis. J'ai pas tué mon sur copilote, droite, ce qui est plutôt pas mal. Et gauche 2, semi-long sans couper. Eh, c'est pas un peu dur là pour droite, moi 6 long, 80. Non, 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 non. Voilà, putain, ouf. Alors pourquoi j'ai pas voulu... Parce que je gauche perds 15 secondes à me remettre sur la route. Saut. C'est pas grave, nous on fait des tonneaux, c'est habituel. Gauche 6, 60. Droite 2, continue sur 100. D'accord. Oh putain, freine, freine, pépère. 60. Gauche 4, long, 100 sur crête, possible saut. Et c'est pas facile, hein, je vous le dis. Hein. Sans expérience, c'est pas facile. Attention, droite 3, semi-long et 3. Sur gauche 6, semi-long sans couper, 80 crêtes. D'accord. Les chaussettes de l'archiduchesse sont à la chaise archi-sèche. Sur attention droite 5, sur 80 ferme, sur 2 et 3 et glissant. Ouh là là, trop d'informations, madame. Sur gauche 6, semi-long sans couper. Droite 6. Fallait dire une barrière sur la colle et puis c'est gauche bon. Gauche 6, 80. Droite 6, continue 80 et ferme sur 5. Gauche 5 en dévers négatif, 80 crêtes possible. Votre pression ? Non, on est arrivé vraiment ? Wouhou ! Pas d'accident mortel, on va dire. Ah, je suis en quatrième position ! Ah ouais, mais attends, le gars, il nous a mis, avec sa Mini Cooper, il nous a mis une minute. Est-ce qu'on peut voir la vidéo de ce mec ? Parce que sérieusement... J'y crois pas. Ah, c'est pas grave, on va continuer. Toujours sur la graisse. Bon, bien sûr, je vais me ramasser. Hein. J'ai... Bon, quatrième, ça va, hein, quatrième. Quatrième pour une première course, ça va. Allez, on en fait une deuxième ensemble. Je vais pas faire les quatre. Et on va voir ce que ça donne. Pépinade. Sérieusement, les mecs, je vous promets, j'ai déjà fait la course et c'était pas la même. Alors, est-ce que c'est quoi le bordel? Je comprends pas. 4, 3, allez, on y va. 1, go. Voilà, là, là c'est de la, du bon départ, là. Allez. Droite 5, 80, descente, bosse, descente. Ok, tout va bien. Alors, gauche, je suis hyper concentré. Sur 30, 60, descente. Alors là, on sent quand même... Attention, ouh là 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 là. Droite 5, sans couper. Il y a vraiment des problèmes 4, sur la route, 4, hein. Elle est pas bien faite, cette route, hein. Ouh, ouh, ouh. Est-ce qu'il faut que je répare? Non, pas besoin. Parfait. Sur droite 5 sans couper, 60. Vous pouvez pas me dire qu'il y avait un virage droite 6 long sur crête. Tout simplement. Ouh là là. Est-ce qu'il y a un truc gauche à réparer 6, là? Non, je vérifiais. Je vérifiais qu'il n'y avait pas un pneu à réparer. Gauche c'est juste 6, moi qui ai du mal. Droite 6
60. Allez, on va essayer de pas la foirer. 36, crête. Le pire, c'est que si 60. Tu foires, ton championnat il est perdu, quoi. Attention, gauche 5 sans couper. Droite 4 extérieur. Ce genre de jeu est hypnotisant. Ah, j'ai que 8 secondes de retard, c'est plutôt cool, hein. Attention, droite 6. Après l'accident que j'ai fait. Sur épingle gauche immédiate. Attention. Attention! Montée. Droite 4. Vas-y, ça se passe bien. Et épingle droite. Cette beauté, quoi, graphique. Sur gauche 6. Ouais, j'aurais pu faire un coup de frame, hein, mais bon, ah, j'hésite. Droite 6 dans descente 60. J'hésite. Épingle gauche autour arbre. Attention, boss. Allez, épingle gauche. Ouais, voilà, le frein à main, vous avez vu, hein. Ça ressemble beaucoup à la Réunion. Épingle droite. Mais sauf que nous, on a du goudron sur les routes. Droite 6, crête 80. Ouh là là là. Est-ce que je peux tenter un dérapage parce que là, jusqu'à maintenant, je lâche l'accélérateur. Faut que je tente un dérapage. Et attention, ah. Droite 6. Et tu sais quoi, même, je pense que j'aurais dû régler la bagnole. Épingle pour qu'elle tire un peu plus. Sur crête. À l'arrière. Et crête possible saut. Ok, bon, on s'en sort pas mal, sinon que... Droite on s'en sort pas mal. Sérieusement, je suis pas trop déçu. À moitié de la course, on a 16 secondes d'écart. C'est pas énorme. Quand on, tout à l'heure, on avait crête une minute. Crête. Les décors sont superbes. Alors. Et attention, virage droite, 3 fermes. Ah bah, et attention, on va bientôt mourir. Et 3. Faut pas me dire d'attention quand on... Oula, c'est 3, vraiment. Putain, là, ça commence à être chaud, là. Oh là là. Sur droite, 4 longs fermes, sur 3 sans couper. Et la route, tu m'as dit qu'il n'y a pas de barrière. Oh putain, les boss qui comptent. Gauche 5 longs, 60. Ok. Allez, allez, si on... Gauche 6. Quatrième, c'est pas mal, hein. Si on pouvait rester dans les quatrièmes, troisièmes, ça serait vraiment honorable. Sans couper, monter. Même si je crois pas qu'il y ait la moindre récompense pour ça. Gauche 6, petit saut. On gagnera l'année prochaine, mais je me suis bien amélioré, hein, je veux dire. 23 secondes de retard, c'est très bien, hein. C'est très très bien. Troisième tronçon, si on fait pas d'accident mortel, si on se retrouve pas dans le fossé, ça devrait aller. Attention, hein, d'accord. Je vais tenter le frein à main, qu'est-ce que t'en penses? T'es d'accord, pas d'accord? Droite 5 long. Ouais, non, ça sert à rien. Ok. Prudence, gauche 6, crête. Salut les gens. 100 crête, 80. Putain, là, il y a la vitesse, là. Gauche 6, 100. Ouh là 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 là, attention. Attention, droite 2, semi-long. Oh, ah, putain. Oh putain! Ah fuck! J'ai perdu 13 secondes. 13 secondes. Sur droite 6, 80 sur crête. Là, le frein à main qui ne m'aide pas, donc je vais me contenter de tenir la route. Hein. Ah les mecs, 13 secondes, fait chier quand même. Sans sur arrivée. Ouh là là. Oui! Oui! Deuxième étape! Arrivée! Ah, oh, ça fait plaisir! Ça fait plaisir et je suis toujours en quatrième position, les mecs. Mais c'est bon, ça. Attends, alors l'autre, il a eu un pare-brise cassé, ressort craqué, câble à frein. Ok, d'accord, ils ont que des excuses. Eh ben, écoute, moi, je continue. On va continuer, vous savez quoi? Épreuve 1 sur 5. Je suis en quatrième et j'ai pas bougé de position. Ah, alors que l'autre, il a gagné 2 places. D'accord. Et les amis, nous allons terminer avec ça parce que j'ai pas réussi à faire mieux. Sinon que vous pouvez faire des épreuves personnelles, je viens de constater cela. Et qu'on peut choisir le lieu et donc apprécier un petit peu la différence de l'endroit. Avec des pilotes de l'IA, d'accord, ou les records personnels. Par exemple, on peut aller en Finlande, hein, voir ce que ça donne. Ça peut être sympa, la Finlande. Difficulté professionnelle. Et on peut choisir le type de bagnole et toutes les bagnoles sont disponibles. En version test, c'est pas cool ça. Bah sinon, ah oh, putain, j'ai pas pris la bonne, mais c'est pas grave. On va terminer sur ces images. Oh, putain, la Finlande, quoi. Je croyais que c'était la neige, moi. Mais pas du tout. Pas du tout.
Allez, 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 allez. Envoie, envoie, montre les images, Fanta. Montre les images. On va voir la Finlande. Une Ford Sierra. Je démarre l'étape. J'en ai rien à foutre. Waouh. Ouais, quand même, ça le fait. Trop fort, quoi. Putain, ça sent presque le plastique. Ouh là là, ça va plus vite que l'Austin. Ça va plus vite que l'Austin. Ah ouais, d'accord. Il y avait des pneus à changer ou quoi? J'aurais peut-être pas fait gaffe à ce genre de... C'est possible, il va falloir faire gaffe en tout cas quand je tourne. Désolé, là, c'est un nouveau gameplay là qui s'offre à moi. Aïe 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 aïe. Déjà je tue quelques personnes, mais ce n'est pas grave, tuer quelqu'un ne vous retarde que de 15 secondes les amis. En attendant, merci de m'avoir suivi sur Fantabob Games. Je vais arrêter de faire le con tout de suite et retourner dans la détente du no stress d'un non tournage, parce que le tournage peut être assez stressant sur des jeux exigeants de ce genre. On est content quand même d'avoir une technique plutôt au rendez-vous sur ce coup là Ouais, carrément. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres jeux sur Fantabob Games. Allez, à toutes!